comme vous avez pu constater, dernièrement on a installé le tapis de sol pour faire un peu plus confortable et un peu plus propre surtout. Donc bah voilà, ça fait une semaine que c'est installé. Les élèves sont en pleine forme, ils sont plutôt heureux d'avoir ça. Donc, bah, honnêtement, ça facilite bien pour le ménage. Cette dernière semaine de préparation, on va logiquement le 15 mars, donc mercredi prochain. Donc ça va, il lâche pas, il s'entraîne durement, il fait en sorte d'être prêt pour son combat. Maintenant, l'état d'esprit, j'ai l'impression qu'il est plutôt serein. Il s'entraîne comme d'habitude, il fixe un peu plus les choses tous les jours. Et, bah, ça fait plaisir à voir parce que, ouais, honnêtement, ça ne le perturbe pas plus que ça. Et, prenez la date. Les jours avancent, il n'y a pas de stress, il fait son truc, il est bien. Bon, Sam, tu t'entraînes depuis combien de temps maintenant pour la préparation de ton combat? Bah, ça va bientôt faire 2 semaines. Bientôt 2 semaines, c'est quoi exactement le combat? Le 15 mars. Le 15 mars, donc la prochaine. Ouais, la semaine prochaine, c'est le mercredi aujourd'hui. Ouais. Et ça va, tu dans quel état d'esprit en ce moment? Bah, je me sens bien, ça va. Tu sens bien, t'es dans ta préparation. Ah, t'es confiant carrément. C'est bien ça. T'es confiant, mais c'est la première fois que tu vas combattre quand même. Ouais. Ouais, t'es confiant quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu l'inconnu et l'excitation. Et en fait, c'est ça qui te plaît le plus. Ouais. Tu verras sur place quoi. Ouais. Tu composeras avec ce que si tombe dessus. Bah oui. Bah oui, t'es habitué. Non, bah c'est bien, t'as raison. Et qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment pour l'apprentissage? Les pas hauts. Les pas hauts? C'est dur, tu demandes beaucoup. Combien de séances en ce moment? 4. 4 séances, ouais. 4 séances de 4 minutes. Ouais. Ah ouais, c'est un petit peu beaucoup. Ouais. Ouais, de toute façon, hein, y a pas de mystère, hein, faut bosser. Hein. Mm-hmm. Parce que de toute façon, le gars en face de toi, tu sais très bien qu'il va pas faire cadeau. Ouais. Donc c'est la devise, c'est qui? C'est lui ou moi. On est d'accord. Là, tu préfères que ce soit toi. Mm-hmm. Je te cache pas. Surtout pour ta mère. Ouais. Parce que maman, elle a même pas envie de t'y aller du tout. Alors, donc on va rester confiant, hein, et plutôt dans un esprit combatif, on va dire, donc bah change rien, reste comme ça, et puis choc dit. Ouais.